Hemmevé, un petit village pittoresque situé à la Manche, en Basse-Normandie. Ce village a à peine 200 habitants, mais a une page sombre dans son histoire. La cause était les occupants allemands, pendant les années de guerre 40-45. Ce village est devenu le théâtre d'un crime de guerre commis le 6 juin 44. Bienvenue à Hemmevé. Hemmevé, c'est une petite commune du Cotentin, dans la Manche, en Normandie. Petite commune de 480 hectares, avec 185 habitants. Je suis le maire de la commune depuis maintenant presque deux mandats. Enfin, j'entame mon deuxième mandat, depuis presque sept ans maintenant. Je me suis intéressé, depuis que je suis arrivé dans cette commune, à l'histoire des parachutistes, hein, qui me touche particulièrement. Au cours des heures précédentes, mardi le 6 juin 1944, des parachutistes de la 82e AB sont largués juste au nord de Hemmevé. Les soldats sont du 1er bataillon Headquarters et du 507 PIR. Ils n'atterrissent pas sur leur zone de largage, mais dans un champ situé à 6 km au nord-ouest de cette zone. Là, ils se cachent dans un petit bosquet et attendent jusqu'à l'aube. Peu après 6 heures du matin, une patrouille allemande les a découverts. Après une fusillade courte mais féroce, les hommes sont faits prisonniers de guerre. Donc nous sommes sur le site du château d'Hemmevé. Nous avons emprunté l'allée qui mène au château, là qu'on voit derrière moi. Allée qui a été empruntée à l'époque par les quatre soldats américains, l'un sur un brancard d'ailleurs, porté par ses deux camarades, et empruntée pour être amené par la troupe allemande ici même. Alors précisément, on ne pourra pas le savoir, mais en tout cas, ça pourrait être derrière, dans les blocos qui sont juste derrière moi. Il y en a deux, on les voit très bien, ou un troisième, ou alors peut-être dans les baraquements qui n'existent plus maintenant, ou peut-être encore dans le château lui-même, hein, qui est utilisé par la commandanture. Donc, pour être interrogé, hein, ces quatre paras, et ensuite, malheureusement, ramenés au petit bois de la Sauderaie, où ils ont été exécutés, littéralement exécutés, à bout portant. Ils doivent marcher encore 800 mètres jusqu'au château d'Hemmevé, qui est utilisé par les Allemands comme un quartier d'approvisionnement. Dans le château, les Américains sont interrogés pendant des heures, et juste avant 8 heures du matin, le jour J, quatre d'entre eux sont ramenés au bosquet et exécutés. Sept jours plus tard, le 22 juin 1944, une équipe de la 1ère division des inspecteurs généraux de l'armée arrive à Hemmevé. Cela inclut le personnel des headquarters du 7e corps et le 603e Quartermaster Graves Registration. Un photographe fait des photos, l'autre filmait. Depuis que des crimes de guerre ont été rapportés, il y a des photographes qui enregistrent tout pour la recherche. Ils vont d'abord dans la forêt où la courte fusillade et les exécutions ont eu lieu. Une fois là, l'endroit est entièrement étudié par des troupes de la Graves Registration Company. Une recherche qui a rapidement et précisément indiqué où les sept parachutistes ont été tués. Ils ont marqué chaque zone d'un corps avec une page déchirée d'un calepin avec les lettres A, B, C, D, E, F et G. Le caméraman, agent Thomas G. Malone, du 165e Signal Photographic Company, a tout filmé.
Donc nous sommes devant le cimetière communal d'Emévé, où ont été enterrés le jour dont la journée du 6 juin, par des habitants d'Emévé, les 7 parachutistes, parmi eux les 4 exécutés, auxquels il faut rajouter un 8e parachutiste, auquel il nous faut aussi rendre hommage, mais qui est mort au combat, certainement tué dans les champs alentours. Il s'agit de John Katona. Donc il y a eu 8 paras enterrés ici. Donc, par des habitants de Mévé, que je le disais, M. Mouchel, M. Robiol, M. Esnouf, auxquels aussi d'autres habitants ont été impliqués très directement. Je pense à Mme Lequartier, hein, qui a dû fournir des draps blancs pour servant de linceul à ses soldats. De là, l'équipe part au cimetière pour ramasser les corps, tandis que le sergent Malone continue à filmer. Les images sont violentes et ne conviennent pas vraiment aux téléspectateurs sensibles et les plus jeunes. Les corps ont été examinés par Colonel Hunter, inspecteur général de la première armée, US Army Medical Corps. Comme ils n'avaient pas le temps pour livrer des cercueils convenables, les Français les placèrent au fond de la tombe, y ont mis 3 travers et les recouvrirent des planches de bois. Un par un, les corps ont été déterragés, fouillés, placés sur des barres et soigneusement examinés par le capitaine. Chaque blessure a été documentée avec précision. Le parachutiste Daniel Tillman et Robert Werner, qui a une balle dans la mâchoire droite, a montré une grande blessure de sortie sur son front. La blessure dans la tête d'Adelma McCanny était si horrible que les Français l'avaient couvert d'un mouchoir pendant le transport de la forêt au cimetière. Le soldat Robert Watson, l'un des parachutistes blessés le jour J, montrait son crâne broyé par les coups de crosse d'un fusil qu'il avait reçu de son tueur allemand avant qu'il tombait par terre. Le parachutiste Elwood Hack a également été touché derrière l'oreille droite. Sur ces images, la blessure est indiquée avec un couteau. Tous les corps ont été examinés de manière approfondie de cette manière. Un résident local, Pierre Renault, nous le voyons ici à gauche sur les images, les a vus passer vers le bosquet. En ce moment-là, ils étaient gardés par les Allemands. Ce même après-midi, un résident du village a enterré les 7 corps dans le cimetière de l'église Notre-Dame, dans le village de Emévé. À la fin de l'enquête sur les parachutistes assassinés, ils ont été amenés du cimetière sur des baies de transport. L'un après l'autre, ils ont été placés sur un camion avec remorque, qui appartenait à la 603e Quarter Graves Registration Company. Les parachutistes enterrés pendant 16 jours à Emévé en juin 1944 sont venus en France pour accélérer la libération. Ils restent en mémoire par un simple monument au cimetière, avec l'inscription « Mémoration de 7 parachutistes américains de la 82e division Airborne, exécutés dans cette commune le 6 juin 1944 ».
Les corps ont ensuite été donc emmenés au cimetière de Sainte-Mère-Église, cimetière provisoire. Quatre des soldats sont enterrés à Colville-sur-Mer. Les trois autres ont été, les corps ont été rapatriés aux États-Unis pour être enterrés dans leur lieu de domiciliation ou de naissance.